chez notre ami Quentola. C'est le représentant. Chez Annie, mais voilà. Mon Dieu, là, mercredi, il y a mille choses. Oui. Peut-être que je peux passer un moment. Je sais pas, c'est pas grave. C'est pour présenter le programme des rencontres d'Arles. Et c'est de 6 à 8. Ça nous fera un plaisir si vous êtes là. Ah oui, non, non. J'ai plaisir. Parfait. C'est noté, c'est noté. Bravo, très bien. Ça va alors. Alors tu viens aussi? Ah. Oui, moi je viens ah, aussi. Ah ben quand même, oui, il faut qu'elle vienne. Comme ça, on te voit de nouveau. Oui. Ça, c'est une caméra qu'on a l'impression que les photographies, oui. Que les photographies pas. Que, oui, c'est que vrai. Les photographies, hein. Là, c'est devenu. Oui, c'est incroyable tout ça. Oui. Mon Dieu. Mais avec cet appareil, on peut voir ce qu'on a fait tout de suite. Vous avez gens ne s'aperçoivent pas que tu... Mais moi, alors, quand même. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore à l'école? Vous venez de pays chaud? Pas tellement, non? Pas tellement. Ça fait déjà deux semaines que je suis en 4 jours, 5 jours. Bon, vous l'avez bien gardé alors. Donc, très bien. Mais Anne était à Paris et elle redescend. Elle fait le travail pour sa mère, pour la fondation là. Oui. On a, vous savez, c'est très étonnant. C'est un nom magique. Oui, ah, Picasso, ça va être magique, oui. Hein. Ah, c'est un nom magique. Hein. Non. Oui, c'est très impressionnant parce que c'est un signe, comme moi, les signes que j'aime, que je fais, c'est un signe très agréable. Signifier exactement le contraire de ce qu'il doit signifier. C'est-à-dire? C'est un stop, c'est pour dire qu'il y a eu un accident, et là c'est peut-être le symbole féminin, le sexe de la femme, lequel on va se perdre pour régénérer. Mais moi j'ai entendu parler que le triangle en inverse comme ça, c'est un signe pour les homosexuels. Ah, alors pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est aussi un symbole de la franc-maçonnerie. Donc, mais quand même, les coins sont arrondis, et ça veut être un peu plus sensuel, à mon avis, surtout la façon dont la couleur est posée. La couleur est formidablement sensuelle. Non, c'est une des plus belles pièces de la couleur. Mais peut-être parce qu'il y a une accroche, justement, brillante. Et puis aussi, tu le reconnais plus que les autres. Oui. Ça, ce qu'on voit là, tu le reconnais, ça? Oui, non, mais ça peut être aussi la mer, c'est l'océan, c'est les vagues sur l'océan. Et ça, c'est une voile? Ça, c'est une voile, c'est... pourquoi pas. C'est moins évident, je préfère les choses qui sont... Je préfère finalement, celui-là est très beau, là, comme on le sait. Et celui-là, parce qu'elle aussi est inversée. Celui-là reste trop ce qu'il est. Il n'est pas assez dépassé. Lucien, est-ce que tu aimes la rose? La quoi? Les roses. Les roses? Oui. Tiens, c'est les roses de Tina Modotti qui ont fait 150 000 dollars. Ah ouais. Carlo, il adore la photo de Tina Modotti de marionnettes. Les mains avec les marionnettes. C'est sensationnel. Fais voir tes mains. C'est extraordinaire. Petite de l'autre main. Côté. Voilà, la main d'un photographe. Et où tu vas? Je vais vous donner du gruyère. Ah. Supermarché. Tu as trouvé? C'est quoi que tu cherches maintenant, Lucien? Je cherche du fromage de gruyère suisse. Ah, il est là. Il est là. Voilà. Parfait. Voilà. Très bien, c'est ce qu'il me faut. Du fromage et des pommes. Tout ce que je voulais. Je voulais des crackers. Des poissons, des pochettes de mozzarella. Green salad. And to drink you have herb tea. And what about you? Okay.